tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Carla et Maeva qui étaient en larmes ce matin sur Snapchat. Pour deux raisons complètement différentes, les deux Marseillaises ont craqué tout à l'heure. Maeva a appris une très mauvaise nouvelle qui l'a complètement bouleversée. Carla, quant à elle, était en panique à l'idée de refaire le test du Covid, obligatoire avant le tournage des Marseillais contre le reste du monde. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Refaire le test du PCR, mais c'est horrible. J'ai déjà été traumatisée la première fois et là le mec il m'a carrément dit non mais restez dans votre voiture. Je vais venir vous le faire dans la voiture mais je veux pas donner mon nez. C'est un drive. Je veux pas donner mon nez. C'est un drive. Je sais ce que ça a fait, c'est horrible. Ne le faites jamais. Ce test il est horrible. C'est un drive, il lui a dit reste dans la voiture. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai jamais vu un test pareil. Pourquoi l'enlever comme ça? C'était horrible, je crois que le condom dit j'ai descendu à l'intérieur de mon gob. De ton quoi? De mon gob là, à l'intérieur. Oh là là, c'est horrible. J'ai plein de crottes de nez à cause de ça maintenant. C'est horrible. Je vous jure, on dirait on est à l'armée. Vous avouez, le test il a duré 2 secondes, mais oh là là, qu'est-ce que c'est désagréable. Oh genre, tu éternues, ça te fait des chatouilles au nez, trop bizarre. Mais c'est hyper rapide. Bon, en espérant que j'ai pas le Covid, hein. Parce que voilà. Je vous jure, ce matin, aujourd'hui, je suis trop bouleversée. Parce que j'ai parlé à quelqu'un de jeune qui est malade, qui est en phase terminale. Et genre, ça m'a trop fait de la peine. Genre, je suis en train de me dire que la vie, elle est trop injuste. Et genre, ça me fait vraiment trop de peine. Mais genre, ça me fait trop plaisir de lui avoir parlé. Et genre, c'est sa tata qui a voulu lui faire une surprise. Elle connaît une amie à moi. Et du coup, je l'ai appelé en FaceTime. Je peux pas aller le voir parce qu'il habite pas à Marseille. J'aurais trop kiffé aller le voir. Mais genre, je me dis vraiment que on n'est rien sur Terre. Vraiment. Et que parfois la vie elle est trop injuste. Ça me fait trop de la peine. Alors que moi j'ai pas l'habitude de pleurer, je déteste pleurer. Mais genre vraiment, prenez soin de vos proches, faites attention à vos proches. Et genre la vie elle est vraiment trop injuste des fois. Mais c'est comme ça, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu il appelle toujours les gens qu'il aime le plus. Et voilà, je suis pas bien là. Je suis pas bien, vraiment. Mais genre, les histoires comme ça, ça te fait prendre conscience que vraiment, on n'est rien du tout sur cette terre. Et qu'il faut vraiment prendre soin de ses proches.